Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo sur laquelle je vais vous expliquer comment créer un QCM à l'aide de l'outil Google Form. Tout simplement, il suffit seulement d'avoir la problématique à laquelle, ou bien le QCM que vous allez mettre. Par exemple, ici, on a une petite problématique qui dit que faire un QCM à un groupe d'élèves de CP concernant les multiplications suivantes. Donc, comme vous voyez ici, j'ai 5 lignes. Donc la première ligne donc sera notée par 3 points. Et la deuxième bonne réponse sera notée d'un point. Et la troisième bonne réponse sera notée de 2 points. Et la quatrième sera notée de 2 points. Et la cinquième aussi, la même chose. Donc pour ça, ce que je vais faire, je vais y aller sur Google Form, tout simplement. Donc à titre d'information, Google Form, il faut utiliser votre compte Gmail pour y accéder. Donc, il suffit seulement d'aller sur doc.google.com form ou bien form.google.com tout simplement, ou vous pouvez passer par Drive. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, il y a plusieurs méthodes pour y accéder à Google Form. Ou bien, il suffit seulement que vous copiez-collez cette adresse et vous pouvez y accéder. Donc, ici, vous cliquez sur le petit plus ici, tout en haut à gauche, pour créer un formulaire vide. Comme ça. Et après, on va mettre QCM. QCM, tout simplement. Je clique ici pour donner le titre à mon formulaire. Ou si ici je peux mettre la description, je peux mettre par exemple QCM pour le CP, etc. Donc ça dépend de ce que je veux faire. Donc pour être plus bref et rapide, donc on va ignorer tout ça. Je vais directement sur la question. Je clique sur la question. Je mets quel est le résultat de la multiplication suivante. Je vais revenir vers la problématique. Donc 10 fois 2, c'est la première réponse. Je vais mettre 10 fois 2, tout simplement, comme ça. Comme pour tous les QCM, normalement, il faut mettre plusieurs réponses, des fausses réponses, et après une bonne réponse. Par exemple, pour le cas de 10 fois 2, la bonne réponse normalement c'est 20. Donc on peut mettre par exemple la première réponse à la première ligne, comme on peut la mettre à la deuxième ligne ou bien à la troisième. Dans le cas du QCM d'aujourd'hui, on va mettre que trois propositions, donc une bonne réponse et deux fausses réponses. Par exemple, je peux mettre 30, ça serait la première réponse. La deuxième réponse, je peux mettre par exemple 20. Et la troisième réponse, je peux mettre 14, comme ça, comme vous voyez. Et après, je peux obliger la personne de répondre absolument, ou bien de choisir absolument une réponse par le biais de cocher obligatoire, comme ça. Et après, ici, je vais aller sur propriétés et je vais aller sur questionnaire, convertir. Et j'enregistre. Par la suite, pour choisir une bonne réponse, pour que l'annotation soit effective, donc il suffit seulement qu'on clique sur corriger, comme ça. Et après, je vais choisir la bonne réponse. Donc, la bonne réponse, c'est 20, comme ça. Et je vais mettre l'annotation, comme on a sur le fichier. L'annotation de la première bonne réponse, c'est 3. Donc, je vais revenir ici et je vais mettre 3 tout simplement et je clique sur terminer comme ça. Donc comme vous voyez, il vient de sélectionner que la bonne réponse est celle-là et si l'utilisateur va cocher la bonne réponse, il va avoir automatiquement 3 points. Donc ainsi de suite, je peux faire ça pour les autres réponses. Donc aussi pour être plus rapide. On peut dupliquer la question et modifier le contenu, ou bien on peut créer carrément une nouvelle question comme ça, tout simplement. Et je vais mettre aussi, donc, quelle est la bonne réponse pour, et après, je sélectionne 7 fois 2, comme ça. Donc, c'est 7 fois 2. Et après, je peux mettre des probabilités. Donc, c'est 15, 13,
14. Et après, je vais mettre corriger. Je sélectionne la bonne réponse et je donne la note. Tout simplement comme ça. On va vérifier. Donc, c'est normalement c'est 1. Donc, on va diminuer une note comme ça. Et après, je clique sur terminer. Donc, je rends la réponse obligatoire. Ainsi de suite, je vais sur l'autre réponse. Comme ça, je vais voir. Donc, c'est 4 x 3 et c'est 2 points. C'est 4 x 3, comme ça. Donc, je peux mettre comme ça. Et voilà, je la rends obligatoire. Je clique sur corriger, un point. Et après, je choisis la bonne réponse, comme ça, et je clique sur terminer. Encore, pour terminer le quotient. Donc, je vais choisir l'autre réponse, par exemple. Donc, on a 5 fois 1. Donc, c'est 5 fois 1, comme ça. Donc, la réponse, ça peut être 0. Ça peut être 5 et aussi ça peut être 4. On rend la réponse obligatoire, on corrige et on donne la note. Je clique sur terminer. Et voilà. Et une autre. Et la dernière réponse. C'est 8 fois 2 avec 2 points. Donc on peut mettre par exemple 16, 17 et 20. On va choisir la bonne réponse. On valide, on la rend obligatoire. Donc ici, normalement, c'est 2 points. Et c'est parfait. Donc maintenant, pour visualiser notre questionnaire, il suffit seulement qu'on clique ici sur visualiser, comme vous voyez. Donc la personne voit les questions, les probabilités de réponse ainsi que la notation. Donc supposons que je vais répondre au hasard. Donc ainsi on va voir si le système marche très bien. Et je fais envoyer. Comme vous voyez, il signale que cette réponse est obligatoire, il faut répondre. Donc on va mettre une réponse et je vais renvoyer. Donc on voit réponse a bien été enregistrée. Je peux faire afficher la notation. Et comme vous voyez, il peut mettre le. Il est en train de me dire que voilà, la première réponse n'est pas la bonne, la deuxième, etc. Et que j'ai qu'une bonne réponse. Et il peut me donner ma notation totale, c'est 1 sur 8. Donc c'est comme ça qu'on fait les QCM sur Google Forms. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt.